outpouring of your spirit, till I can't take no more. I need you, Lord, right now. Build me up again. Cannot move on without you. Do like you did way back when. I need you, Lord, right now. Fill me up again. Bonjour. D'être avec vous, nous sommes heureux d'être avec vous, même si c'est un peu différent. Et d'ailleurs, une très bonne nouvelle pour vous, pour ceux qui ont eu une bonne semaine, c'est que la semaine prochaine, nous allons être ensemble en présentiel à la même place. Donc, j'espère que vous serez des nôtres en grand nombre. Je vous invite à suivre toutes nos pages pour avoir plus d'informations, mais je vous invite à rester à l'affût pour être avec nous la semaine prochaine pour le sabbat. Pour la tête de notre prière. En étant notre Père Céleste, d'amour, de gloire, Dieu de bonté, Dieu de tout ça, merci d'être avec nous en ce sabbat matin. Merci de nous permettre d'être associés, Seigneur Dieu, et de pouvoir t'adorer.
Je te demande de bien vouloir diriger ce service, Seigneur Dieu, et de travailler sur tous les petits problèmes techniques, de permettre que chacun puisse entendre et puisse trouver ce qu'il a à trouver. Merci pour tout, Seigneur, au nom de Jésus qui règne au siècle des siècles. Amen. Donc, nous allons débuter avec le moment de louange. You all to raise your voices to God together today. Let's sing these words. Then sings my soul. Hold on me.
always be more than enough for me. Yeah. Thank you. Nothing's gonna stop the plans you've made. Nothing's gonna take your love away. You will always be more than enough for me. Oh Lord, you will always be. Oh, you're my portion. You're more than enough. You will always be more than enough for me. My provider. 'Cause nothing's gonna stop the plans you made. Nothing's gonna take your love away. You will always be more than says, give thanks to the Lord for his good. His faithful love endures forever. Give thanks to the God of gods. His faithful love endures forever. Give thanks to the Lord of lords. His faithful love endures forever. Give thanks to him who alone does mighty miracles. His faithful love endures forever. Give thanks to him who made the heavens so skillfully. His faithful love endures forever. Give thanks to him who placed the earth among the waters. His faithful love endures forever. He remembered us in our weakness. His faithful love endures forever. Give thanks to the God of heaven. His faithful love. You're the Lord. I-
How could I say thanks for the things you have done for me? Things so undeserved that you gave to prove your love for me. And the voices, the music, to be. Here I am to bow down, to say that you're my God. Say, you're all together lovely, all together worthy, all together wonderful to me. Here I am to worship, sing it. Together, all together,
saved. You're my God. All together, Lord, worthy, wonderful, wonderful, beautiful. Bonjour, donc re-bienvenue. Nous sommes heureux que vous avez été avec nous jusqu'à présent. J'espère que vous avez levé les mains, que vous avez adoré avec nous. Donc, alors que nous terminons ce moment de louange, nous vous invitons, alors que nous allons prier ensemble, à penser à une personne, à prier avec une personne qui est chez vous ou à prier avec une personne que vous n'avez pas vue depuis un moment. Vous pouvez lui envoyer un message texte et lui dire que vous priez pour elle, ou vous pouvez l'appeler et prier avec elle. L'important, c'est de savoir que la prière a de la puissance. Plus on prie, plus on a de la puissance. Et la prière collective a aussi de la puissance. Donc, je vous invite en ce moment à prier pour une autre personne, à prier en deux à deux ou en groupe. Et aussi, j'aimerais vous dire que si vous avez un sujet de prière particulier que vous voudriez que nous prions avec vous, vous pouvez le mettre dans les messages. Nous vous invitons à partager avec nous afin que nous puissions vous aider à prier. Donc, lorsque nous allons revenir, Natacha va faire la prière de clôture pour nous.
Prions ensemble. Père éternel, notre Dieu, notre Père, merci pour tout ce que tu fais pour nous. Merci pour ta paix, pour ta grâce, pour ton amour. Merci, Seigneur Dieu, pour ta bienveillance, Seigneur Dieu, pour ta compassion, pour ta fidélité, Père éternel. Papa, nous ne sommes pas dignes, Seigneur, de nous avancer devant toi, mais Papa, nous savons que malgré toutes nos salissures, nos meurtrissures, Papa, tu veux que nous venions à toi, Père éternel. Tu veux que nous approchions de toi, Père éternel. Parce que, Seigneur Dieu, en toi se trouve la vie, la paix, l'abondance, Seigneur Dieu, en toi se trouve, Seigneur Dieu, tout ce dont nous avons besoin pour fonctionner. Père éternel, tu le sais et c'est ce que tu veux que nous réalisions. Père éternel, je te prie de bien vouloir nous garder, Seigneur Dieu, de nous bénir, nous, tous ceux qui écoutent ce message, Seigneur Dieu, tous ceux, Seigneur Dieu, que nous avons, auxquels nous tenons, Père éternel. Papa, je t'en prie, s'il te plaît. Tu donneras, Seigneur Dieu, apporter du repos, Seigneur Dieu, de la paix au cœur brisé. Tu donneras, Seigneur Dieu, apporter la guérison à ceux qui sont malades. Tu donneras, Seigneur Dieu, nous accompagner, Seigneur Dieu, tous ceux qui regardent ce culte et tous ceux, Seigneur Dieu, qui ont à cœur de faire ta volonté et de suivre, Seigneur Dieu, ta parole. Papa, je t'en prie, s'il te plaît, pardonne-nous nos fautes, nos péchés, nos manquements. Nous ne sommes pas dignes, Père éternel, de nous avancer vers toi, Seigneur Dieu. Et Papa, nous venons avec l'assurance que, Père, que si nous venons à toi, Seigneur Dieu, repentant, que tu nous pardonneras, Père éternel. S'il te plaît, accorde-nous ta paix, ta grâce et ton amour. Dirige-nous, Père Saint, afin que nous puissions passer une excellente journée dans ton Saint-Sabbat, Père éternel. Je t'ai prié, non pas en vertu de ton mérite, Père, mais au nom et par les mérites de ton Fils Jésus, lui qui vit et qui règne maintenant au siècle des siècles. Ainsi soit-il. Amen. Amen. Nous continuons, nous continuons notre service par la station par 10 000 offrandes. Donc, nous invitons maintenant à donner ce que vous avez déjà préparé pour les dîmes et les offrandes. Pour le faire, vous pouvez utiliser Adventist Giving, l'application, ou sur le site adventistgiving.org. Pour le faire, vous allez devoir sélectionner House of Hope SDA Group. Vous allez inscrire le montant du don que vous voulez faire et vous allez sélectionner la méthode de paiement. Vous allez aussi inscrire l'allocation, comment est-ce que vous voulez donner, et vous allez confirmer le don. On vous rappelle qu'au niveau de l'allocation, tout ce qui est dîme, c'est tout ce qui est... On vous encourage à donner autant au niveau des dîmes qu'au niveau des offrandes, parce que tout ce qui est dîmes, c'est ce qui nous permet de continuer à travailler pour la mission au niveau mondial. Tout ce qui est offrande, la majorité, tout ce qui est offrande, c'est ce qui nous permet de fonctionner au niveau local. Donc, ça nous permet, étant donné que nous, au niveau de House of Hope, on est en train de rechercher un local, et ça nous permet aussi d'avoir des fonds pour les projets que nous voulons faire. Donc, on vous invite à donner autant au niveau des dîmes, au niveau des offrandes. Et nous sommes très reconnaissants. On sait que sans ça, on ne pourrait pas continuer ce ministère qui est House of Hope. Donc, vous pouvez donner autant par AdventistGiving.org, ou pour ceux qui préfèrent le faire, vous pouvez aussi le faire par chèque au nom de Église Adventiste du 7e jour, la Fédération du Québec. Sur l'enveloppe, il faut mettre Église Adventiste du 7e jour et mettre l'adresse de la Fédération, qui est le 940 Chemin Chambly, Longueuil, Québec, J4H3M3.
Prions. Prions. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais pour nous. Merci Seigneur pour toutes ces ressources que tu mets à notre disposition. Merci Seigneur pour la générosité que tu mets dans notre cœur, Dieu d'amour, Dieu tout-puissant. Merci Seigneur pour tous ces projets que tu nous mets responsables, Seigneur Dieu. Je te prie, Dieu tout-puissant, que tu puisses continuer, Seigneur, à nous donner plus de ressources afin que nous puissions non seulement s'occuper de nos familles, de nos amis, de nos entourages, mais que nous puissions aussi contribuer à l'avancement de ton œuvre. Merci pour tout, Seigneur. Je te demande de bénir chaque personne qui va donner et ceux qui n'en ont pas, Seigneur, afin que tu puisses leur donner pour en avoir toujours plus, Dieu Tout-Puissant. Et c'est toi qui dis dans ta parole, Seigneur, que tu nous donnes avec abondance pour qu'on en ait assez, non seulement pour nos besoins, mais Seigneur, pour que ça déborde sur toutes les autres, pour que notre bénédiction puisse être la bénédiction des autres. Merci pour tout, Seigneur, au nom de Jésus qui règne au siècle des siècles. Amen. Amen. Donc, nous continuons le service avec le moment de partage. Nous allons aujourd'hui, nous continuons la série d'études bibliques avec Natacha Jean-Baptiste, la série sur le sabbat. La dernière fois, on avait eu, dans le fond, l'historique du sabbat, d'où venait le sabbat. Puis aujourd'hui, on va voir avec Natacha, c'est quoi le sabbat aujourd'hui? Qu'est-ce que le sabbat pour nous aujourd'hui? Donc, à toi, Natacha, je te passe la parole. Bonjour et bon sabbat. Attendez-moi juste un petit instant. Merci. Much better. OK, parce que je me voyais à côté, mais je regardais l'écran, fait que c'était bizarre. OK. OK, c'est pas grave. Bonjour. Aujourd'hui, aujourd'hui se termine, comme Nathalie l'a présenté, se termine la troisième présentation de la série sur le sabbat. Donc, comme Nathalie a décrit, bien, au départ, la série sur le sabbat était en trois volets. Donc, au départ, il y avait le sabbat dans l'Ancien Testament. Et puis ensuite, on l'a vu avec Steve, où est-ce qu'on voyait l'origine, où est-ce qu'on voyait comment est-ce que le sabbat était gardé, comment il était sanctifié au commencement, par qui il était gardé. Et par la suite, avec Pasteur Mitchum, lors de la deuxième présentation, on a étudié l'observance du sabbat dans le Nouveau Testament. Comment est-ce qu'il était vécu par Jésus, ce que Jésus avait fait durant le sabbat, et est-ce que le sabbat et le respect du sabbat étaient des choses importantes dans le Nouveau Testament. Aujourd'hui, dans ce dernier volet, ce qu'on va voir, c'est quoi le sabbat pour nous aujourd'hui? Parce que Jésus et les disciples, l'histoire, ça remonte à 2022 ans que Jésus est décédé. Donc, maintenant, entre-temps, après ces 2000 dernières années, qu'est-ce que le sens du sabbat pour nous? Qu'est-ce que ça représente pour nous en 2022? Des fois, on a tendance à perdre le fil tellement il y a des choses qui se sont passées. Donc, on va voir si l'observation du sabbat biblique, si c'est encore valide et important pour nous en ces jours. It is still relevant. Et si c'est le cas, ben, en quoi c'est encore approprié le sabbat pour nous. Mais juste avant de commencer, je vais vous inviter, là où est-ce que vous êtes, à vous joindre à moi pour une courte prière. On va fermer les yeux. Père éternel, notre Dieu, notre Père, me voici devant toi, Père éternel, pour pouvoir parler d'un sujet, Seigneur Dieu, qu'on parle souvent dans l'Église, mais que des fois qu'on saisit moins bien. Père éternel, je te prie, Seigneur Dieu, de m'utiliser à ta guise, Seigneur Dieu, comme un vaisseau pour pouvoir transmettre le message que tu veux faire comprendre à ceux qui nous écoutent. Père éternel, je ne suis pas digne, mais Seigneur Dieu, je veux, Seigneur Dieu, obéir, Seigneur Dieu, et te servir. Aussi, Seigneur Dieu, je te prie, Seigneur Dieu, de m'utiliser complètement pour ta gloire. Accorde-nous ta paix, ta grâce et ton amour. Permets, Seigneur Dieu, que ton Esprit Saint s'installe dans nos cœurs, Père éternel, et nous dirige en toutes choses. Je te prie au nom de Jésus, lui qui vit, qui règne maintenant au siècle des siècles, ainsi soit-il. D'accord. Donc, le sabbat. Okay. Le sabbat, ce mot qui est synonyme, je vais mettre ma tablette, ça va être plus facile pour moi.
désolée. Le sabbat, ce mot qui est synonyme de repos dans notre langage usuel, il a été institué par l'éternel Dieu créateur lui-même. Si vous ne le saviez pas, bon, aujourd'hui, je vous l'apprends. Ce n'est pas moi, Jean-Baptiste, qui a créé le sabbat, c'est Dieu l'éternel créateur de l'univers du ciel et de la terre, qui a créé le sabbat à la fin de son chef-d'œuvre de création, le septième jour. Comme nous l'avons vu avec Steve, et ce sabbat, il a été créé pour l'homme et la femme, comme le mentionne Jésus-Christ dans le Nouveau Testament, dans Marc 2, verset 27. Lorsque Jésus leur a dit, puis il leur dit, le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Ce repos que Dieu nous a créé, il nous est essentiel et il devrait être la source, d'une approbation généralisée. En fait, qui peut être contre la vertu? Qui pourrait s'opposer à prendre du repos au bien-être qu'apporte le repos? Vous seriez surpris d'apprendre que jusqu'à ce jour, pourtant, il est l'objet de débats, tant au niveau du moment, c'est-à-dire dans le jour dans lequel il devrait être utilisé, qu'au niveau de son utilité et de sa validité carrément. Il est écrit dans Genèse 2, versets 1 à 3, que ainsi furent achevés les cieux et la terre et toutes leurs armées. Dieu acheva au septième jour son œuvre qu'il avait faite et il se reposa au septième jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le septième jour et il le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Je vais vous faire de temps en temps des « le saviez-vous ?» Eh bien, ceci est un « le saviez-vous ?» Savez-vous que le sabbat, avec le mariage, est l'une des deux institutions divines créées en Éden avant le péché? Lorsque tout était très bon, lorsque tout était parfait, le Créateur avait jugé à cet instant, à ce moment-ci, dans son infinie sagesse, que c'était une bonne chose à faire. C'est une bonne chose de créer le sabbat. Jésus, dans le Nouveau Testament, s'est déclaré le maître du sabbat. Et on peut lire cette déclaration dans Marc 2, verset 28. Et lui-même, ainsi que ses disciples, ont observé et gardé le sabbat. Donc, c'est dire que si Dieu l'a créé, Jésus, son fils, arrivé sur terre, l'a observé, ceux qui suivaient Jésus ont observé le sabbat, c'est donc qu'ils croyaient que c'était encore la bonne chose à faire. Toutefois, parmi les croyants chrétiens d'aujourd'hui, une vaste majorité observe plutôt le dimanche comme jour de repos, plutôt qu'au lieu de suivre le sabbat biblique qui est du vendredi soir au samedi soir. Pourquoi? Qu'est-ce qui a changé entre-temps? Est-ce que ça change quelque chose, en fait, que... Ça change quoi dans notre vie, hein, si on décide de suivre le sabbat du vendredi soir au samedi soir, ou le dimanche, ou le lundi, ou le vendredi? Ça fait quoi pour nous? Ça change quoi dans notre vie? Et pour ceux qui observent le sabbat biblique, comme les Adventistes du septième jour, ben est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas catché? Y a-t-il quelque chose que nos frères chrétiens ont compris que nous, on a complètement loupé? C'est ça qu'on va voir aujourd'hui dans la présentation de ce jour. Il est écrit dans Exode 20, versets 8 à 10, un passage qui est quand même assez connu pour plusieurs d'entre nous, c'est « Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le septième jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage. Ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre, la mer et tout ce qui est contenu, et il s'est reposé le septième jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. » Alors déjà au départ, on va commencer par les questions suivantes. Qu'est-ce que ça me donne, moi, d'observer et garder le sabbat? C'est beau ce qui a été dit en Exode, là, c'était quand le peuple d'Israël était sorti de l'Égypte. Mais moi, ça me donne quoi aujourd'hui, en 2022, d'observer le sabbat? Qu'est-ce que ça me donne, moi, aujourd'hui, de me reposer une fois par semaine, comme Dieu me le demande? Puis, si je me repose une fois par semaine, comme il me le demande, as long as I rest, qu'est-ce que ça peut bien me faire le jour? Moi, je crois une chose, puis je crois que pour tous ceux qui aiment Dieu, ou qui ont quand même une relation avec Dieu, il y a une chose, je pense, qui est établie pour vous, c'est qu'à la base, moi, je crois que Dieu m'aime. Je crois que Dieu vous aime, il nous aime. Puis ceux qui croient que Dieu les aime, bien, écrivez dans les commentaires, Dieu m'aime. En tout cas, moi, je ne peux pas taper là, fait que je suis pas, mais en tout cas, moi, je déclare que, et je sais que Dieu m'aime. Je crois que dans son amour immense pour l'humanité, Dieu n'a pas des plans pour nous de malheur, mais il y a des plans pour nous de bonheur. Je crois que même si systématiquement qu'on cherche à mettre des bâtons dans les roues de Dieu par nos choix et nos comportements, il cherche malgré tout le meilleur pour nous. Maintenant, si on garde ça en tête, ça me permet de comprendre une chose majeure. Si Dieu a créé le sabbat pour vous et pour moi,
It must be for our good. Qu'est-ce que vous en pensez? Dans cette parole du Créateur, le quatrième commandement, lequel porte sur le sabbat, il y a trois instructions qui nous sont communiquées. Un, se souvenir du jour de repos pour le sanctifier. Deux, de travailler pendant 6 jours. Et trois, de ne faire aucun ouvrage durant ce jour de repos, donc se reposer, pour faire simple. Trois instructions. Souvent, on se concentre sur de ne pas travailler, mais c'est parce qu'il y a trois parties à ce commandement. C'est un 3 pour 1. Mais qu'est-ce qu'on va faire? On va faire les choses à l'envers. Au lieu de prendre, on va avoir les choses à l'envers, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par traiter de ne faire aucun ouvrage durant le jour de repos. On va commencer par la fin avec la question suivante. Comme on a dit tout à l'heure, qu'est-ce que ça me donne de me reposer une fois par semaine comme Dieu me le demande? La réponse à cette question, elle pourrait sembler pretty obvious, comme vraiment évidente, mais en réalité, ce n'est pas si évident que cela. Parce que des fois, le sens complet du mot repos, qui a l'air si simple en apparence, nous échappe. Dans la culture occidentale dans laquelle nous appartenons, parce que c'est là comme si on vit en Occident, particulièrement en Amérique du Nord, où rien ne s'arrête. Quand je pense à ça, je pense toujours à la ville de New York, 24/7, il y a toujours de l'activité, c'est comme, tu sais, puis il y a pas mal, beaucoup de places comme ça qui sont en Amérique du Nord. Le repos ne nous est pas nécessairement naturel, ça ne nous vient pas aussi facilement qu'on le croit. Le travail acharné et constant est glorifié et nous apparaît comme une source de réussite qui est digne de louange. Alors souvent, juste arrêter de travailler, ça nous apparaît comme contre-productif. Cesser nos activités quotidiennes et usuelles pour un moment défini dans le temps, ça nous semble impossible. Toutefois, c'est précisément ce que Dieu nous demande de faire. Et s'il nous le demande de le faire, c'est pour notre bien et c'est très important. Les recherches scientifiques confirment les conséquences en cascade d'un manque de repos. Premièrement, le manque de repos peut compromettre la santé et la qualité du travail. Les lourdes charges de travail, les longues heures sont une source importante de stress au travail. Selon une enquête de l'Association américaine de psychologie, plus d'un tiers des travailleurs souffrent de stress chronique au travail, ce qui peut entraîner de l'anxiété, de l'insomnie, des douleurs musculaires, une augmentation de la pression artérielle et un affaiblissement du système immunitaire. Je vous le dis, mais pour vous, il y a des choses que je dis là que ce n'est pas nouveau parce que vous le vivez dans votre vie de tous les jours. Ce sont des symptômes que vous-même, vous ressentez dans votre corps. Ce type de stress peut également augmenter les risques de maladies cardiaques, de diabète et de dépression. De plus, l'épuisement épuise les compétences d'une personne à gérer les relations interpersonnelles. Il y a des études qui montrent, et je pense qu'on n'a pas besoin d'études pour le savoir, que lorsqu'une personne est fatiguée, elle interprète mal les signaux sociaux des autres. Une personne qui est fatiguée va projeter des motifs négatifs sur les autres et elle aura du mal à résister, à offrir une réponse violente à quelque chose que quelqu'un lui aura dit. Et aussi, il y a bien évidemment des implications spirituelles au manque de repos. Alors, quand on ordonne ce que Dieu nous commande, ce que Dieu nous dit et ce que les études scientifiques disent, on comprend que la Bible comme la science s'entendent et s'accordent pour dire que l'être humain a besoin de repos. Mais se reposer, genre vraiment s'arrêter, qu'est-ce que c'est? Je vous pose la question, qu'est-ce que c'est pour vous vraiment s'arrêter, se reposer? Pendant que je vais interpeller Nathalie, parce que Nathalie est de facto la personne à qui je vais poser des questions, et je vais la mettre ici. Comment je fais ça? Voilà. Désolée. Donc, Nathalie, pourquoi? Pour toi, c'est quoi vraiment se reposer? C'est quoi vraiment tout arrêter? Pour moi, c'est changer d'activité, changer de type d'activité. Vraiment, c'est pas nécessairement juste de dormir ou de rien faire, mais c'est vraiment changer de type d'activité, que je sois plus dans un autre mode. Un autre mood. Oui, c'est parfait. C'est effectivement ça. Je regarde pour voir. OK, les gens n'ont pas encore répondu, mais je suis parfaitement en accord avec ta réponse parce que c'est vrai que arrêter, des fois, on a tendance à dire, OK, arrêter, je fais quoi? Est-ce que je regarde le plafond? Est-ce que je regarde le ciel à travers le plafond, je fais quoi? Mais des fois, arrêter, c'est beaucoup plus que ça. En effet, et je vais te libérer pendant quelques instants et je vais aller te chercher encore. D'accord.
en effet, se reposer comme... Il y a Steve qui dit, pour moi, c'est de faire ce que j'aime sans le stress. Oui, t'sais, en effet, se reposer comme chrétien, ça signifie que nous devons avoir confiance. T'sais, quand on dit vraiment s'arrêter, just to stop, de faire ce qu'on fait là, c'est... En fait, ça nécessite de la foi. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que se reposer comme chrétien, ça signifie que nous devons toujours avoir confiance que Dieu va prendre soin de nous. Nous devons avoir confiance que si nous prenons un jour de congé, que le monde ne va pas s'arrêter de tourner à cause que nous, on a arrêté et qu'on doit avoir la confiance que tout ira bien because God got us. Il y a Nancy qui dit que c'est changer de mindset. Toutes des bonnes réponses. Vous savez, Jésus dit dans Matthieu 11, verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Ça, c'est vraiment merveilleux. Le Créateur, comme dit, Jésus nous dit, « Je vous donnerai du repos. » Puis quand Dieu donne, il donne. Okay? Il dit, le Créateur qui nous a formés, il sait mieux que nous-mêmes ce dont nous avons besoin pour bien fonctionner. N'est-ce pas? Donc, le repos, c'est l'une des choses qu'il nous a données. Et le repos est un des éléments qu'il nous donne, qui nous dit que nous avons besoin, dont nous avons besoin pour bien fonctionner. Maintenant, quand on parle de repos, je vais te poser la question, maintenant, je vais vous dire en bout de ligne, qu'est-ce que ça veut dire? Pendant que j'ai dû faire des recherches pour la présentation de ce matin, okay, je me suis dit, bon, ça veut dire quoi se reposer? Parce qu'on dit, OK, tu travailleras 6 jours, tu feras ton ouvrage, mais le 7e jour, le jour de repos de l'Éternel, ton Dieu, l'Éternel, ton Dieu te donne, tu feras aucun ouvrage. Mais nous, on n'est pas habitués à rester comme... immobile puis rien faire. La nature a horreur du vide. Mais quand on te dit tu vas rien faire, what does that even mean? Parce qu'on a l'habitude de toujours faire quelque chose. Vous savez, encore une fois, ça peut avoir l'air simple et banal, ok? Mais pourquoi est-ce que j'ai pris la peine de l'aborder? C'est parce qu'honnêtement, il y a des gens qui ne savent pas c'est quoi le repos. Tu sais, on aurait pu dire c'est tellement évident le repos, mais non, il y a des gens qui ne savent pas se reposer, croyez-le ou non. Trop souvent, on associe au repos le repos physique seulement. Toutefois, le repos, comme vous pouvez vous en douter, va bien au-delà de la question, de la question physique. Quand j'ai fait des recherches, j'ai compris que j'ai trouvé qu'il y avait 7 types de repos différents. Et chacun de ces types de repos ont leurs propres caractéristiques. Et le repos inclut toutes ces différentes caractéristiques. Ce sont les suivantes. Il y a le repos physique. Celui-là, on le connaît bien. Il y a le repos mental. Celui-là, on s'en doute. Il y a le repos social. J'avais jamais entendu parler de ça. Il y a le repos spirituel. Ça, on connaît. Il y a le repos sensoriel. J'avais jamais entendu parler de ça. Il y a le repos émotionnel et il y a le repos créatif. Alors, ce que je vais faire maintenant, je vais vous décrire en détail c'est quoi chacun des repos. Okay? Et qu'est-ce qu'on peut faire pour... En fait, qu'est-ce qu'on peut faire pour reconnaître les fameux quand on est en déficit de ces repos-là et qu'est-ce qu'on peut faire pour y remédier? Parce qu'il faut être pratico-pratique dans notre vie. Le premier type dont je vous ai parlé, c'est le repos physique. Et ce repos physique, ça peut être actif, ça peut être passif. Quand on dit passif, ça c'est le repos que tout le monde expérimente, c'est tu dors. Tu sois un sommeil profond, tu fais la sieste, tu dors. Et on a tous besoin d'un sommeil de qualité parce que vous savez, quand on ne dort pas bien, ça finit par se ressentir. Tandis que le repos physique, c'est-à-dire le repos physique qui est actif, c'est toutes les activités qui sont réparatrices, telles que les étirements, la massothérapie, qui aident à améliorer la circulation, la flexibilité du corps. Cela peut inclure également la vérification que l'ergonomie de votre poste de travail, c'est au bureau, là, que c'est pas toxique pour votre corps. Des fois, vous avez des postures, vous en rendez pas compte, là, mais l'ergonomie est pas là. Alors, vous n'êtes pas capable de juste être bien dans votre environnement de travail parce que vous ne bougez pas nécessairement. Vous êtes physiquement immobile, mais l'ergonomie de votre poste de travail ne vous offre pas un repos optimal, si je peux dire ça ainsi. Les signes que vous avez un déficit de repos physique et physique actif pourraient être des courbatures et des douleurs. Des fois, ce n'est pas parce qu'on prend de l'âge, hein, c'est parce qu'on dort mal. Okay? On peut dire... Oui. Je viens de lire un commentaire de l'ancien qui dit « Lorsque ça arrive, on dirait que mon cerveau arrête de fonctionner. J'oublie même que je dois nourrir mes enfants. » Comment on dit, le repos. Oui, mais au moins, ça veut dire que ta déconnexion est efficace. Ça, c'est une grâce de l'Éternel. Vous savez, des fois, on peut avoir des fois les signes encore, d'autres signes de déficit de repos physique, c'est que ça peut être un gonflement des jambes et des pieds après être resté assis à votre bureau pendant de longues périodes.
il pourrait même s'agir de douleurs au dos, de spasmes dans le dos. Donc, il faut vraiment être attentif à notre corps. Le repos mental. Est-ce que vous connaissez des gens qui commencent à travailler tous les jours avec une énorme tasse de café? Et puis, des fois, ces gens-là, c'est vous. OK? Ils sont souvent irritables et puis ils disent « Oh, j'ai pas encore pris mon café. » Avant de prendre ce café-là, c'est comme si le café, c'est le Saint Graal. Ils sont souvent irritables et oublieux. Ils ont du mal à se concentrer sur leur travail, d'où leur besoin de caféine pour se replacer les idées. Quelqu'un avec un déficit de repos mental peut se trouver allongé pour s'endormir la nuit. Et son esprit, comme le hamster qui tourne, là, son esprit s'emballe. Il n'est pas capable de calmer son esprit et de s'endormir. Lorsqu'il se couche la nuit pour dormir, il a souvent du mal à éteindre son cerveau, alors, alors que les conversations de la journée remplissent les journées. C'est comme tu es là couché dans ton lit, tu as pris un rendez-vous avec ton corps pour te coucher. Tu es dans ton lit, tes draps sont frais, la lumière est fermée et ton cerveau a dit « not now ». C'est pas maintenant pour dormir. Et là, tu commences à repenser à tout ce qui s'est passé dans la journée, tout ce que tu dois faire, tout ce qui a été fait, ce qui a été dit, ce qu'un tel, ce qu'une telle a dit. Et là, tu te retrouves vidé. Et malgré que finalement, de peine et de misère, tu as réussi à t'endormir, tu te réveilles le lendemain, là, la batterie à plat. C'est comme si que tu t'es endormi, mais tu te réveilles avec l'impression de t'être jamais couché. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? En tout cas, moi, je peux dire que ça m'est déjà arrivé. Mais quand ça arrive, c'est qu'on a un déficit de repos mental. Oui, Jenny, leave your coffee alone. Mais c'est pas facile. C'est pas comme si c'était facile et évident. C'est plus facile à dire qu'à faire. Mais il faut qu'on trouve une façon de le faire parce que sinon, on n'est pas capable d'atteindre le repos. Un autre exemple, et moi ça m'arrive aussi, donc je commence à comprendre que moi j'ai un déficit de repos moral, c'est que j'arrive à la pharmacie pour prendre une chose. Non seulement je ressors de la pharmacie avec plusieurs choses, mais aucunement avec ce que j'étais venue chercher. Et demande-moi ce que j'étais venue chercher, c'est rendu à la maison que je me rappelle. J'étais partie pour aller prendre ça. Et ça arrive à plusieurs, ça peut arriver déjà à la vingtaine, trentaine. C'est pas parce qu'on est plus vieux. C'est pas une question d'être plus vieux parce que, bon, là, j'ai pas à dire ça, j'ai dit ça sans aucune offense pour les gens qui sont dans leur année, dans les 80, là, pour les octogénaires. Donc, on peut pas dire qu'on souffre de maladie et qu'on est en dégénérescence. Mais ça arrive au meilleur d'entre nous, au plus fort d'entre nous, si nous ne prenons pas le temps de déconnecter. Mais il y a une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'une fois qu'on est capable d'identifier qu'on a besoin de repos mental, on peut actually prendre les moyens pour prendre ce repos mental. On n'a pas besoin de quitter notre emploi, on n'a pas besoin de partir en vacances pour résoudre ce problème. Un truc que j'ai trouvé qui fonctionne, c'est qu'on prévoit de courtes pauses toutes les 2 heures. Maintenant, si on est capable, on prévoit de courtes pauses toutes les 2 heures, tout au long de la journée de travail. Si ces pauses, elles peuvent nous rappeler de ralentir. Moi, ce que j'ai fait, honnêtement, le cas était tellement grave, je me suis mis une alarme sur mon téléphone pour me rappeler d'aller prendre ma pause. C'était aussi grave que ça. Donc, ça me permet de nous rappeler de ralentir. Même pour les pensées galopantes la nuit pendant que le hamster tourne, là, un autre truc, vous gardez un calepin à côté de votre lit et toutes les pensées là, qui vous empêchent de dormir, là, vous les notez. Une fois que le méchant est sorti, collapse. Il y a Steve qui donne un commentaire. C'est surtout les femmes qui ont ce problème de ne pas dormir et de penser à plein de choses. Et en plus, elle empêche. Et puis, s'il vous plaît, il met ça au singulier. Ça veut dire qu'il parle de moi. En plus, il empêche son mari de dormir en voulant discuter à minuit. That's not even true. Donc, maintenant. Là, maintenant, si on parle du troisième, repos. Le repos social. Le repos social est que c'est le repos qu'on ressent lorsqu'on vit autour de personnes qui nous donnent de la vie, qui nous donnent de l'énergie. La plupart d'entre nous, on passe la majorité de notre temps avec des personnes qui puisent notre énergie sociale. C'est pas que ce sont des gens négatifs, loin de là, mais c'est des gens qui tirent négativement notre énergie, c'est-à-dire qu'ils nous vident. Ils font des retraits dans notre banque d'énergie. Et ça peut être n'importe qui, ça peut être notre conjoint, ça peut être nos enfants, nos collègues, des clients qu'on a, parce qu'ils ont besoin de nous, ils puisent dans notre énergie sociale. Et on peut dire qu'on ressent ce besoin, qu'on a besoin de repos social, c'est lorsqu'on a cette pensée qui dit « Est-ce que je peux juste avoir un moment pour moi? Can I have a me time? Can I have a
un me time. Le me time, là, ça peut être n'importe quand. Moi, quand je travaillais beaucoup plus au bureau, le me time, c'était quand j'arrivais dans le stationnement de chez moi. Ou bien c'était quand je conduisais pour me rendre à la maison. C'était littéralement le seul moment où est-ce que j'avais un me time. C'est important d'avoir ce me time pour être capable de group. Si vous avez l'impression que tout le monde prend et que vous n'avez jamais l'impression que quelqu'un vous aide à refaire le plein ou contribue à votre vie, il y a vraiment des questions à se poser. Vous savez, il y a une façon d'évaluer votre peau sociale et de penser à l'ensemble de vos relations. Êtes-vous toujours celui, je vous demande d'évaluer ça pour vous-même, est-ce que vous êtes toujours celui qui se déverse dans la vie des autres, qui fait le plein d'énergie, comme vous êtes la station d'essence, là? C'est vous qui faites le plein d'énergie pour les autres. Vous vous déversez dans la vie des autres. Est-ce que vous passez du temps avec des gens qui ont... Est-ce que vous pensez à passer du temps avec des gens qui passent du temps juste pour le plaisir de votre présence? Pas parce qu'ils ont besoin de quelque chose de vous, mais juste parce qu'ils veulent être en votre compagnie. C'est ça qu'on veut dans nos vies. Des personnes avec qui on veut juste passer du temps. Ces personnes-là qui ne viennent pas nous gruger, qui ne viennent pas nous puiser en nous. Vos enfants et votre conjoint, ils peuvent faire partie de votre repos social également. Mais vous devez être conscient de la dynamique de la relation et de ne pas passer tout votre temps à vous consacrer à eux, vous les laisser revenir, comme vous dites, laissez-les revenir en vous, avec vous. Je ne dis pas d'être égoïste, mais des fois, pour être plus agréable pour les autres, il faut avoir un temps pour soi. Il y a également le repos sensoriel, qui est le quatrième type de repos dont on a besoin. Le repos sensoriel, c'est le son des téléphones qui sonnent en arrière-plan, les lumières vives de votre ordinateur, les enfants qui jouent pendant que vous êtes à votre bureau à domicile, les notifications qui se déclenchent pendant que vous êtes au téléphone, vos emails, les arrière-plans, exactement, les arrière-plans, les notifications de téléconférence, les arrière-plans des gens sur le Zoom, que vous soyez, ça peut provoquer une sensation de submersion de nos sens et des fois, on s'en rend même pas compte tellement on vit entouré de technologies. Maintenant, qu'on soit conscient ou pas de ces informations sensorielles qui nous entourent, notre corps et notre subconscient, eux, ils vont réagir. Toutes ces entrées sensorielles, au fil du temps, elles peuvent nous amener à développer un syndrome de surcharge sensorielle. La principale façon dont la plupart d'entre nous réagissent à la surcharge sensorielle, c'est l'irritation et l'agitation, la rage ou la colère. Ça ne vous arrive pas des fois, vous travaillez, puis pendant que vous travaillez, vous essayez de vous concentrer sur quelque chose, mais il y a trop de bruit autour de vous, puis à un moment donné, vous pétez un câble, vous faites « chut ». Enough! Parce qu'il y a trop d'informations qui vous empêchent de focaliser sur quelque chose. C'est parce que vous êtes en train de développer une surcharge sensorielle. Vous avez besoin d'un repos sensoriel. Les gens, puis des fois ça peut arriver, il y a des gens au début de la journée, vous travaillez avec eux, vous les trouvez bien corrects, puis à la fin de la journée, vous ne comprenez pas pourquoi la personne est aussi irritable. Trop de stimuli sensoriels. Ça peut être réglé pour la plupart d'entre nous en faisant une chose aussi simple que de fermer les yeux pendant une minute au milieu de la journée, en débranchant intentionnellement l'électronique à la fin de chaque journée. Pas de dormir avec son cellulaire accroché dans la main ou en regardant les émissions sur Netflix ou Prime ou whatever. Okay? Les moments intentionnels de privation sensorielle peuvent commencer à réparer les dommages infligés par le monde qui, lui, nous surstimule. Un autre repos, qui est le cinquième type de repos, c'est le repos créatif. Le repos créatif, c'est le type de repos qui est particulièrement important pour quiconque doit résoudre des problèmes ou réfléchir à de nouvelles idées. Ça veut dire en bowling, c'est toute nous la gang. Le repos créatif réveille l'émerveillement en chacun de nous. Le repos créatif est donc le repos que nous éprouvons lorsque nous nous permettons d'apprécier la beauté sur n'importe quelle forme. Que ce soit la beauté naturelle, comme les océans, les montagnes, les arbres, en fait, la création de Dieu, ou que ce soit la beauté créée par l'humain, c'est-à-dire l'art, la musique et la danse. S'autoriser à profiter de la beauté du plein air, même si c'est un parc local à côté de chez vous, dans votre jardin, là, ça vous offre un repos créatif. Mais le repos créatif, ça ne consiste pas seulement à apprécier la nature. Cela comprend également profiter des arts. Donc, vous pouvez, dans votre espace de travail ou chez vous, profiter pour redécorer chez vous, puis mettre des images des lieux que vous aimez, des œuvres que vous aimez, qui vous parlent. Puis comme, parce que honnêtement, vous ne pouvez pas rester dans un cubicule 40 heures ou 35 heures semaine à regarder un mur gris, à regarder une affaire plate. Okay? Ça va pas, vous n'allez pas vous sentir passionné par quoi que ce soit.
Vous n'allez pas, puis c'est pas dans un environnement tel que celui-ci que vous allez que de nouvelles idées innovantes vont vous sortir de l'esprit. Vous devez nourrir pour donner. Si vous ne nourrissez pas, espérez pas avoir aucune récolte. La façon où est-ce que vous pouvez voir que vous avez un déficit dans ce domaine particulier, c'est quand vous avez de la difficulté à innover. C'est quand vous avez de la difficulté à sortir, à penser au-dehors de la boîte. C'est quand vous avez de la difficulté à trouver des solutions. Lorsque vous avez de la difficulté à réfléchir, lorsque vous avez des problèmes pour régler des conflits. La créativité, c'est plus qu'un simple art. C'est n'importe quel type d'innovation. Il y a beaucoup de gens, au cours de la pandémie qu'on vit ou qu'on a vécu, qui ont utilisé une quantité excessive d'énergie créatrice parce qu'il fallait bien trouver des solutions pour la situation inédite qu'on vivait. Donc, ces gens-là, ils peuvent connaître vraiment comme un déficit dans le repos créatif parce qu'à un moment donné, tu as tellement donné, mais comment est-ce que tu fais pour refaire le plein? Et la plupart d'entre nous, malheureusement, parce qu'on ne se considère pas comme des êtres créatifs, on ne pense pas non plus à la façon d'aller puiser dans cette énergie pour aller se régénérer, pendant que nous sommes toujours en constante, nous sommes toujours en train de la vider. Donc, c'est important de garder cela à l'esprit. Le sixième type de repos, c'est le repos émotionnel. Ce repos-là, il fait spécifiquement référence au repos que nous ressentons lorsque nous sentons que nous ne pouvons pas. En fait, ce repos émotionnel fait spécifiquement référence au repos que nous ressentons lorsque nous sentons plutôt que nous pouvons être réels et authentiques dans la façon dont nous partageons nos sentiments. Beaucoup d'entre nous, nous portons une charge de travail émotionnelle dans le privé, dans la sphère privée, en ce sens qu'on ne partage pas pour de vrai avec les gens comment est-ce qu'on se ressent, comment est-ce qu'on ressent qu'on est en réalité. Un exemple, on connaît tous quelqu'un qu'on dit, cette personne-là est super gentille, elle ne nous dit jamais non. Quelqu'un sur qui on peut toujours compter, quelqu'un que vous savez que si vous avez besoin d'une faveur, qu'elle va préférer vous donner un oui réticent, un oui du bout des lèvres, plutôt qu'un non véridique. Juste parce que cette personne-là, malheureusement, il y a des gens qui sont des people pleasers, et comme on dit, ils veulent plaire. Donc, à cause de ça, ils vont se négliger. Mais pourtant, quand cette personne-là, elle est seule, elle n'est pas idiote, cette personne-là. Elle fait une rétrospective, et puis elle se sent sous-appréciée, et puis elle pense que les gens profitent d'elle. Elle profite d'elle. Est-ce que ça sonne une cloche pour certains d'entre vous? Des fois, c'est ça, c'est qu'on a besoin de repos émotionnel. Cette personne-là, elle, qui se sent comme ça, elle a besoin d'un repos émotionnel. Elle a besoin d'avoir le temps et l'espace pour exprimer librement ses sentiments et réduire sa tendance à vouloir plaire à tout prix. Le repos émotionnel demande aussi le courage d'être authentique. Ça prend du courage pour être authentique. Il y a plusieurs fois où est-ce qu'on porte une charge émotionnelle et où est-ce qu'on cache nos sentiments sans leur donner la possibilité de s'exprimer et ainsi donc de guérir et d'être exposé. Les symptômes de déficit de repos émotionnel sont le sentiment qu'on doit toujours contrôler nos émotions, qu'on ne doit jamais déborder, on doit toujours se garder la soupape bien, bien ficelée. On a toujours, comme on dit, on n'a jamais vraiment la liberté d'être authentique à propos de ce qu'on ressent. Vous savez, une personne qui est émotionnellement reposée, elle peut répondre à cette question-là en toute sincérité quand on lui dit « Comment est-ce que tu vas aujourd'hui ?» Elle peut répondre avec un vrai « Je ne vais pas bien. » Et elle peut se livrer. Et elle peut dire « Je ne vais pas bien pour telle raison, telle raison, telle raison. » Quelqu'un qui est en déficit de repos émotionnel ne sera pas en mesure de dire ça. Si vous avez besoin de repos émotionnel, si vous avez besoin de repos émotionnel, c'est que probablement, vous avez aussi un déficit de repos social dont on a parlé tout à l'heure. Et cela se produit lorsqu'on ne parvient pas à différencier les relations qui nous font grandir, qui nous remplissent d'énergie, versus les relations qui, elles, nous épuisent. Pour vivre plus de repos social, il faut s'entourer de personnes qui sont positives et solidaires. Même si les interactions doivent se produire virtuellement, vous pouvez choisir de vous y engager plus pleinement en allumant votre appareil photo et vous concentrer sur la personne qui vous parle. Donc, vous voyez que c'est important de s'entourer de personnes de façon intentionnelle pour être capable de rebooster nos batteries. Le dernier type de repos avec lequel généralement on est plus habitué, dont on parle plus, mais je me demande des fois si on sait ce que c'est le repos spirituel, qui est la capacité de se connecter au-delà du physique et du mental et de ressentir un profond sentiment d'appartenance, d'amour, d'acceptation et de but. Pour recevoir cela, on doit s'engager dans quelque chose de plus grand que nous-mêmes. On doit inclure la prière, la méditation, l'engagement communautaire dans notre routine de tous les jours.
Les besoins de repos spirituel varient en fonction du système de croyance de chaque personne. Au cœur de cela se trouve ce besoin que nous avons tous de nous sentir à notre place. Ce besoin que nous ressentons que notre travail, nos efforts, nos choix contribuent au bien commun. Nous devons avoir l'impression de nous réinvestir dans l'humanité, d'être utile à quelque chose. Quelqu'un pourrait souffrir d'un déficit de repos spirituel, c'est lorsque cette personne va travailler, pour un salaire ou pas. Tandis que cette personne-là se dit pendant qu'elle travaille, ce que je fais là, ça n'a vraiment pas d'importance. Ce que je fais ne profite à personne. Et si je le fais, que je le fasse ou que je ne le fasse pas, ça ne change rien. Et si je le fais avec excellence ou pas, ça ne change encore rien. C'est sûr que si vous sentez que votre travail, que ce que vous accomplissez n'a pas de sens, que ça n'a pas de valeur ajoutée, que ça n'aboutit à rien, à un moment donné, malheureusement, vous pourriez aboutir à faire un burn-out. C'est plate, mais exact, ça ressemble à la dépression. C'est vrai, parce qu'à un moment donné, quelqu'un qui passe son temps à faire quelque chose qui, selon elle, est pointless, va finir par déboucher par un burn-out. Il faut qu'on trouve un moyen de se connecter à notre désir de sens, que ce soit à travers ce qu'on fait pour la communauté, ce qu'on fait au travail, ce qu'on fait à l'église. Partout là où est-ce que vous sentez que ce que vous faites compte. It matters. Nous avons tous besoin de sentir que nous appartenons à un groupe et que nous contribuons à l'essor de ce groupe. Si nous sentons que dans notre vie, on ne sert à rien et quel que soit ce qui se passe, notre présence, notre contribution ne sert à rien, au fur et à mesure, on va finir par se replier sur soi-même. Ça peut, comme Sylvain a dit, ça peut ressembler à une dépression. Donc, le repos, ce n'est pas un simple mot. Le repos devrait être synonyme de restauration dans ces 7 domaines de votre vie. Pas juste un, tous les 7. Quand vous vous reposez, c'est tous les 7. Et comme vous pouvez vous en douter, le sommeil tout seul n'est pas suffisant pour nous restaurer complètement. Malheureusement, beaucoup négligent de se reposer ou n'ont pas la possibilité de se reposer compte tenu de leur habitude de vie. Mais c'est hyper important de veiller à cela parce que ça a vraiment des conséquences graves sur notre vie. Les gens qui sont surchargés de travail, ils trouvent de plus en plus difficile de vivre le genre de repos qui est régénérant, c'est que dont nous, on a besoin en tant qu'être humain. Et malheureusement, le manque de repos, ça peut générer des problèmes plus importants, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça peut générer des relations qui deviennent tendues. Au fil du temps, la vie spirituelle d'une personne, le lien avec Dieu, le sens et la joie les plus profonds de la vie, ça vient à diminuer également. Il a été démontré par plusieurs études scientifiques que pour mieux travailler, ça a l'air bizarre, mais pour mieux travailler, il faut se reposer. Pour mieux travailler, pour être plus productif, il faut prendre un temps d'arrêt pour recharger nos batteries, pour mieux recommencer une fois régénérées. Quand tes batteries sont à plat, il n'y a rien qui pourra sortir de plus. Ou si par miracle quelque chose de plus sort, ce ne sera pas de bonne qualité. Se reposer, c'est important. Le deuxième aspect du quatrième commandement, et là on parle du travail. Quand on parle du travail, on a lu dans Exode 20, maintenant on vient de parler d'Exode 20, verset 10, maintenant on va à rebours, on va parler de Exode 20, verset 9. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Oui. Et tu feras tout ton ouvrage. Vous vous demandez sûrement c'est quoi le rapport de parler du travail dans une présentation qui est sur le repos, sur le sabbat. Ce que vous réaliserez avec moi, si vous ne m'avez pas déjà vu venir, c'est que les deux sont intimement liés. Tantôt, on parlait des dangers de trop travailler et de ne pas assez se reposer. Eh bien, à l'inverse, maintenant, il nous faut réaliser que certaines personnes sont sous-employées, sous-utilisées, OK? Et puis, ça peut être pour plusieurs raisons, soit par manque de temps, soit par manque d'emploi à temps plein, soit parce qu'elles sont désengagées de leur emploi. Des fois, c'est par manque de volonté, il faut se dire, pour dire les vraies affaires, on est là pour ça. Des fois, c'est parce qu'ils ne veulent pas. Okay? Certains manquent de motivation pour travailler ou ils n'ont pas développé les habitudes nécessaires au travail. On a compris que nous tous, on a besoin de repos. C'est comme ça que Dieu nous a créés. Qu'est-ce que tu veux? C'est ça, on ne peut pas y changer. C'est comme ça que Dieu nous a créés. Toutefois,
vous observerez que pour qu'on puisse bien expérimenter le repos, pour qu'on puisse bien jouir du repos, ben, parce que c'est quand on travaille qu'on peut bien expérimenter le repos. On ne peut bien expérimenter le repos que lorsque nous travaillons. Une bonne balance en toutes choses est nécessaire pour une vie équilibrée. Moi, je me rappelle quand j'étais en congé de maternité pour mon deuxième, à un moment donné, tu sais, c'est cool, tu es à la maison avec ton fils et tout, mais à un moment donné, tu es tellement en train de tu fais tes affaires et tout, oui, l'enfant est là, mais l'enfant finit par grandir. Quand l'enfant finit par grandir, donc à ce moment-ci, à un moment donné, tu te retrouves que, oui, t'as dormi, t'as pas de problème pour dormir et tout, mais à un moment donné, c'est comme, tu te sens sous-utilisé. Il te manque de choses à faire. Mais vous savez, il faut toujours avoir une bonne balance parce qu'un excès de repos sans œuvre exutoire, par exutoire, c'est-à-dire sans œuvre où est-ce que tu peux te déverser ton excès d'énergie, ben ça peut donner des effets inattendus. OK? Les effets inattendus, c'est-à-dire la lassitude, l'ennui, l'abattement, la dépression. Et ça, c'est le genre de situation que peuvent expérimenter les gens qui sont désœuvrés. Les gens qui sont, ça arrive, hein, les gens qui sont à la retraite mais qui n'avaient pas prévu d'activité. Le nombre de fois qu'on peut voir que les gens, ils n'avaient pas prévu leur retraite. Donc, ça fait en sorte qu'ils arrivent à la maison, ils sont plates, ils n'ont rien à faire. Ce n'est pas évident. Le savez-vous? Pour ceux qui ne le savaient pas, le travail est une bonne chose voulue par Dieu. Des fois, il y a des gens qui pensent que le travail, c'est une malédiction. It's a curse. No, it's not. Le travail, c'est un mandat qui a été confié par Dieu à l'homme. Si on lit dans Genèse 1 et dans Genèse 2, mais à cause de la chute, le travail est devenu pénible. Nuance. Mais le travail en soi est une bonne chose voulue par Dieu. Le travail n'est pas une conséquence du péché, loin de là. D'ailleurs, le premier verset de la Bible nous montre que Dieu, nous montre Dieu au travail. Et Jésus lui-même, dans Jean 5, verset 14, nous dit, « Mon Père travaille jusqu'à maintenant, et moi, je travaille. » Le verset 28 du premier chapitre de la Genèse dit, « Remplissez la terre, assujettissez-la, et dominer. » Ça veut dire quoi? C'est un appel pour l'homme à transformer le monde par son intelligence, son savoir-faire et son industrie, par son travail. Nous sommes créés à l'image de Dieu. L'homme est appelé à donner, son activité un sens créatif. Par le verset, « Et l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. » Genèse 2, verset 15. Nous comprenons que l'homme est le gérant de la création. C'est pourquoi le monde où l'on vit porte la marque de l'activité créatrice de l'être humain. L'être humain est donc appelé à travailler et non pas à rester oisif, se tourner les pouces, regarder le ciel à travers le plafond. Non, ce n'était pas ça le but de Dieu. Quand l'homme travaille, l'être humain imite Dieu qui lui-même travaille. En effet, l'activité de l'homme reflète et imite celle du Dieu créateur. Je vais vous lire ce passage que beaucoup d'entre vous connaissez et je vais le relire pour faire un parallèle. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni ton fils et ta fille, nanana. Après, ils disent, car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre, la mer et tout ce qui est contenu et se reposer le 7e jour. Dans ce texte, il y a clairement un parallèle entre les 6 jours de la création et les 6 jours que Dieu nous dit de travailler. Dieu a travaillé pendant 6 jours. Il nous dit, tu travailleras pendant 6 jours. Le 7e jour, il s'est reposé. Il nous dit le 7e jour de nous reposer. Le verset 9 du passage qu'on vient de lire dit, tu travailleras 6 jours et feras tout ton ouvrage, démontre que le travail est une œuvre qui doit être accomplie. Maintenant, de même, on avait décrit c'était quoi le repos. Maintenant, on va décrire également c'est quoi travailler. Travailler, c'est quoi? Travailler, c'est faire du bien. C'est-à-dire rechercher ce qui est utile aux autres, au lieu de vivre en parasite. Oui, le mot est fort, mais c'est ça pareil, à leur dépens. Pensons donc à la condamnation de la paresse dans le livre des Proverbes. La Bible n'est pas d'âme avec les paresseux. Participer à la construction au patrimoine de la communauté humaine, œuvrer pour le bien commun. Travailler, c'est aussi développer la vie sociale par son travail. L'homme, l'être humain, participe à une œuvre commune. Travailler, c'est également créer des richesses qui peuvent être matérielles à partir des matières premières fournies par la création de Dieu, ou des richesses immatérielles, c'est-à-dire des services, le commerce, l'éducation, la communication, la médecine.
Ça peut être également de créer des richesses personnelles ou des richesses, comme tu as un business, tu le fais rouler et tout, ou aussi des richesses communautaires, c'est-à-dire tu crées, tu travailles pour faire des routes, des écoles, des hôpitaux, alouette. Mais quand vous observez tout ce que je viens de vous dire, c'est quoi le travail a toujours un but. Travailler sans but est contre-productif. Et comme on en a parlé tantôt dans le repos spirituel, ça peut être la source de mal-être, de déconnexion, de perte de confiance dans sa propre valeur. Mais vous savez, on sert un Dieu qui a une sagesse infinie. Et dans son infinie sagesse, il avait tout prévu. La même façon qu'il avait prévu qu'il avait créé le repos pour nous, il avait prévu que ça nous prenait du travail aussi. Dieu est un Dieu efficace et c'est un Dieu de détails. Il pense à tout. Il est écrit dans Éphésiens 2, verset 10, « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. » Dieu a déjà préparé les œuvres qu'il a pour nous et il l'a fait dans le but que nous les pratiquions. Donc, ce n'est pas nous qui pratiquons, ce n'est pas nous qui préparons les bonnes œuvres, mais c'est Dieu qui les a déjà préparées pour nous. Nous devons cependant les pratiquer, c'est-à-dire les réaliser, les faire. Vous voyez? Dieu est prévoyant. Il est prévenant. Il est dans les détails. Dieu, il dit jamais rien pour rien, puis il fait jamais rien pour rien. We're not an afterthought for him. Il prévoit tout depuis le commencement. Donc, vous comprenez ici que Dieu a créé à la fois le travail, et il a créé également le repos. Dieu affirme la bonté du travail et le caractère sacré du repos. Les deux magnifiquement tissés ensemble. Les gens, ils devraient travailler et se reposer comme Dieu leur donne à cause de son modèle dans la création et de son modèle dans la rédemption. Être négligent dans l'un ou l'autre de ces domaines, que ce soit par ceux qui sont surmenés ou par ceux qui sont sous-utilisés, ça peut entraîner un éloignement de lui et une difficulté à se connecter avec lui. Pourtant, par la grâce de Dieu, il nous est toujours possible d'intégrer le repos et le travail dans le modèle de vie que Dieu avait prévu. Troisième volet, qui se trouve dans Exode 20, verset 8, et qui se lit, « Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. » Donc, sa recommandation, en fait, ce qu'il nous a dit, c'est souviens-toi du jour du repos. Donc, il nous demande de nous souvenir du jour du repos pour le sanctifier. Au début de cette présentation, on avait lu Exode 20, verset 8 à 10. Et on a parlé, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a parlé du verset 10 qui est le repos. On a parlé du verset 9 qui est le travail. Et maintenant, on va parler du verset 8. La formulation de ce verset 8, sous l'état du jour du repos pour le sanctifier, juste ça devrait nous donner à réfléchir. Souviens-toi. Il dit quoi? Il dit souviens-toi. Quand on dit souviens-toi, ça veut dire quoi? Ça implique deux choses. En tout cas, selon moi, si vous trouvez d'autres implications, feel free to write it, comme ça on pourra le partager ensemble. Mais pour moi, ça implique au moins deux choses. Premièrement, quand on te dit souviens-toi, c'est parce que c'est une information qu'on t'avait déjà dit. C'est une information que tu avais déjà connaissance, mais que tu sembles avoir oubliée. Deuxième chose, c'est quelque chose que tu n'as peut-être pas oublié, mais que tu as modifié, puis ça pourrait faire l'objet de débats et de confusions. Le septième jour, Dieu a achevé son œuvre qu'il a faite. Et il se reposa le septième jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Alors Dieu bénit le septième jour, le sanctifia, parce que Dieu s'y reposa de tout son travail et qu'il avait fait dans la création. Ça, on peut lire ce passage-là dans Genèse 2, versets 2 et 3. Le septième jour, en tout cas, si vous ne l'aviez pas encore remarqué, le septième jour, c'est la toute première chose que Dieu a sanctifiée, du moins sur la terre, et à être déclarée sainte dans les Écritures. C'est la première chose à acquérir le statut spécial qui n'appartient seulement qu'à Dieu, car c'est juste Dieu qui est saint. C'est une caractéristique qui lui est propre. De cette manière, la Genèse met l'accent sur le caractère sacré du sabbat. Après 6 jours de création, Dieu regarde les œuvres de ses mains et les déclare très bonnes. Ça, c'est Genèse 1, verset 31. Mais c'est seulement au septième jour que Dieu appelle quelque chose de saint, le jour du repos, qu'il place dans le temps et dans l'espace de la création. Le jour du repos, il reçoit l'attribution de la sainteté qui est l'essence même de qui Dieu est. Donc, Genèse 2 dit, Dieu travaille et se repose. Dieu dans toute puissance, bien évidemment, comme vous vous en doutez, est-ce que vous pensez que Dieu a besoin de repos? Non. Dieu n'a pas besoin de se reposer.
Et Dieu n'a pas, il n'y a pas de raison, Dieu n'a, il y a pas de, il n'éprouve pas de fatigue physique ou d'épuisement. Dieu ne dort, il dort pas, il n'y a pas besoin de cela. Il n'a pas non plus besoin de reposer pour devenir plus productif, étant donné qu'il a déjà tout créé. Donc, pour devenir plus productif, pourquoi? It is done. Il est également intéressant de noter que la première chose dans toute la création qui est rendue sainte, ce n'est pas un homme, ce n'est pas un animal, ce n'est pas un objet, c'est un jour. Genèse 2 ne dit pas pourquoi est-ce que Dieu sanctifie le septième jour. Il fait juste nous dire que Dieu l'a sanctifié. Un point, c'est tout. Maintenant, quand on lit Exode 31, versets 16 à 17, cela fournit, on nous fournit un éclairage encore qui est encore plus profond. C'est pourquoi les Israélites garderont le sabbat en l'observant de génération en génération comme une alliance perpétuelle. C'est un signe pour toujours entre moi et le peuple d'Israël qu'en six jours le Seigneur a fait les cieux et la terre et qu'au septième jour, il s'est reposé et s'est rafraîchi. Il s'est reposé. Okay. Deux faits à souligner dans ce passage. Premièrement, le sabbat fonctionne comme un signe indiquant l'alliance entre Dieu et Israël. Dans cette alliance, ça incarne la relation privilégiée qu'Israël entretient avec Dieu. Ça a commencé avec Abraham et ça continue jusque à la fin. Deuxièmement, le sabbat est un jour où Dieu lui-même s'est reposé. Il veut que son peuple de même fasse l'expérience de ce même repos. Ainsi, le sabbat traduit le désir de Dieu d'être en relation intime avec son peuple. Dieu offre à son peuple un repos hebdomadaire par la communion avec lui et la création, et sa création. Une autre preuve de cet aspect relationnel du sabbat apparaît également dans Ézéchiel verset 20, chapitre 20, verset 12, où est-ce que Dieu dit « Je leur donnerai mes sabbats comme un signe entre moi et eux, afin qu'ils sachent que moi, l'Éternel, je les sanctifie. » Selon ce verset, Dieu donne à Israël ses sabbats, parce que le repos lui appartient, en tant que signe relationnel entre lui et son peuple, afin qu'il puisse savoir qui il est et connaître les effets sanctifiants de la relation avec lui. Le signe du sabbat est une participation réelle avec Dieu dans le plaisir de se reposer dans sa propre création. Dieu ne choisit pas d'être distant, éloigné, absent de sa création. Au contraire, il choisit de communier intimement avec son peuple et avec sa création en participant à son repos du sabbat. Le Nouveau Testament étant à la fois la directive d'entrer dans le repos de Dieu et dans la possibilité de le faire. Le chapitre 4 à l'épître, chapitre 4 d'Hébreux, okay, encourage les disciples de Jésus à se reposer. C'est pourquoi, tandis que la promesse, à celle-là, on lit Hébreux 4, verset 1, qui dit « C'est pourquoi, tandis que la promesse d'entrer dans son repos est encore ouverte, prenons garde qu'aucun de vous ne paraisse avoir manqué de l'atteindre. » Les anciens Israélites, selon les Hébreux, ne parviennent pas à saisir l'offre de repos de Dieu. Pourquoi? Parce que comme nous, ils sont désobéissants. Pas tout le temps, j'espère, mais en tout cas, ils étaient désobéissants. Mais les disciples de Dieu reçoivent la bonne nouvelle concernant le repos que Dieu promet depuis le début. Grâce au sacrifice de Christ, les croyants sont en mesure d'accepter l'offre de repos de Dieu, quelle que soit leur identité, leur origine, leur lieu de résidence. Lisons dans Hébreux 4, verset 9 à 11 qui dit « Il existe encore un repos sabbatique pour le peuple de Dieu. Car ceux qui entrent dans le repos de Dieu cessent aussi de travailler comme Dieu a cessé de travailler. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe par une désobéissance comme la leur. » Ces textes transmettent une signification plus profonde de repos communiquée par la notion de sabbat. Le repos est bien plus que la récupération d'une semaine mouvementée et fatigante. C'est l'affirmation d'une relation spéciale que les gens ont avec Dieu. Le repos est un privilège accordé gracieusement par un Dieu qui désire que sa création prenne plaisir au repos dont il jouit. Le sabbat est saint parce que c'est un jour qui appartient à qui? Roulement de tambour? Ça appartient à Dieu. C'est un Dieu généreux qui se réjouit de la joie de son peuple. Le repos communique le caractère d'un Dieu saint qui se délègue de l'acte de la création et désire communiquer avec son peuple. Le repos est l'aboutissement gracieux du désir de Dieu d'être en relation intime et joyeuse avec l'humanité et la création. Vous direz, si le repos est une source de rafraîchissement et un moyen d'avoir une meilleure relation avec Dieu et avec les autres, pourquoi est-ce que les gens ne l'observent pas? Pourquoi est-ce que les gens, le sabbat, ça n'a pas plus d'importance pour eux? Cette réponse, on la trouve dans une histoire que vous connaissez quand même assez bien, qui est la chute de l'humanité.
Dieu a dit à Adam, parce que tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé l'arbre dont je t'avais commandé, tu n'en mangeras point. Maudit est le seul à cause de toi. Dans la douleur, tu en mangeras tous les jours de ta vie. Il vous fera pousser des épines et des chardons et tu en mangeras et tu mangeras les plantes des champs. À la sueur de ton visage, tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes à la terre. Car c'est de là que tu as été pris et car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Donc, ce qui s'est passé, c'est le péché. La désobéissance d'Adam et d'Ève rompt la communication intime qu'ils étaient censés avoir avec Dieu. Ce faisant, ils s'éloignent de leur créateur. L'impact de la rébellion sur l'humanité, ça a eu beaucoup d'effets dévastateurs, y compris le travail et le repos, y compris la compréhension qu'on a du travail et la compréhension qu'on a du repos. Donc, à cause du péché de l'humanité, jusqu'à ce jour, on paye le pot cassé. Et comme le travail est devenu plus pénible, ben le repos est rendu l'antidote nécessaire à la dureté du travail. Mais en même temps, le repos était toujours là. C'est-à-dire que nous bénéficions, nous avions toujours le travail, il y avait toujours le repos. Mais parce que le travail est devenu plus dur, plus pénible, nous avons besoin de plusieurs types de repos. Avant, on n'avait pas... j'ai jamais entendu qu'Adam avait un iPad au ciel, là. Donc, c'est sûr qu'il n'avait pas nécessairement besoin de repos sensoriel. Donc, il y a plusieurs types de repos à cause du péché qu'on a eu besoin d'avoir parce que maintenant, on s'est mis dans le trouble. Et Dieu, dans sa bienveillance, nous a fourni ce repos. Maintenant, ceci étant dit, c'est bel et bien, mais maintenant, on voit bien que dans le monde d'aujourd'hui, la majorité des chrétiens, eux, ils suivent, pour eux, le sabbat, c'est le dimanche. Ils vont à l'église le dimanche, tandis que la minorité va continuer d'observer le sabbat. Alors, d'où vient la confusion du samedi au dimanche? Vous savez, la Bible, elle montre clairement que Jésus-Christ a observé le sabbat du septième jour. Les premiers disciples, ils ont fait la même chose, ils ont observé le sabbat. Cependant, de nos jours, ce n'est pas tout à fait le cas. Alors, comment est-ce que le changement est intervenu? Vous savez, dans le monde, on est plusieurs personnes, plusieurs cultures, des gens différents. Chaque personne a leur religion et leurs fêtes qu'ils ont établies. Des fois, c'est Dieu qui a établi les fêtes, des fois, c'est notre religion qui a établi d'autres fêtes. On voit que pour les musulmans, ils se réunissent pour la prière et la prêche le vendredi. Pour les juifs, c'est le sabbat depuis des millénaires. Et pour plusieurs chrétiens, dont la communauté chrétienne dont nous faisons partie, c'est le dimanche. Mais, c'est quel jour que Dieu a indiqué aux humains que lui, il a créé de sanctifier? Est-ce que c'est le premier jour? Est-ce que c'est le dernier jour? Est-ce que c'est un autre jour de la semaine? Vous savez, des fois, on pense qu'au fil des temps, les temps ont été changés. Donc, il y a eu des semaines de 5 jours, des semaines de 10 jours, des semaines de 7 jours. Mais quand on remonte au fil des temps, on se rend compte dans l'histoire que la semaine de 7 jours, elle est très ancienne. Et on voit que le peuple juif, lui, il a conservé son calendrier basé sur la semaine de 7 jours et n'a jamais perdu le cycle à travers les différents millénaires. Même lorsque le pape Grégoire XIII, il a révisé le calendrier en l'an 1582, il n'a pas changé le cycle hebdomadaire de 7 jours. De sorte que, de nos jours, le sabbat du septième jour reste le même septième jour que celui observé par Jésus et l'Église chrétienne du premier siècle. Then again, pourquoi est-ce que la majorité d'entre nous, dans la confrérie chrétienne, on observe le dimanche plutôt que le sabbat de l'Éternel? Pourquoi est-ce qu'on ne garde pas pourquoi est-ce que beaucoup de nos frères et sœurs chrétiens observent le dimanche plutôt que le dimanche qui est le premier jour plutôt que le sabbat? Qu'est-ce qu'on fait de l'exemple que Jésus et les chrétiens du premier siècle nous ont donné? L'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 11, verset 1, exhorte les chrétiens à l'imiter lui comme lui l'imite Christ. Et il a observé toute sa vie le septième jour, du coucher du soleil le vendredi soir jusqu'au samedi soir. Il dit, il imita son sauveur qui prêchait dans les synagogues pendant le sabbat, c'est-à-dire dans Luc 4, verset 16. Des années après la mort et l'ensevelissement et la résurrection du Christ, l'apôtre Paul prêche encore le sabbat aux Juifs comme prosélyte dans la synagogue d'Antioche. Si les chrétiens étaient supposés d'observer le dimanche, on l'aurait su, parce que Paul, il dit dans Actes 13, verset 42, il dit, comme ils sortaient de la synagogue des Juifs, les gentils, les prières de leur annoncer les mêmes choses le sabbat suivant. Pas le dimanche, le sabbat suivant. Alors, qu'est-ce qui s'est passé quand il leur a dit ça? Eh bien, le sabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole de Dieu. Ça, on trouve ça au verset 44. Paul ne s'était pas réuni avec les prosélytes, c'est-à-dire les gentils, le dimanche, mais pendant le jour observé par les chrétiens du premier siècle, c'est-à-dire le sabbat du septième jour, vendredi soir à samedi soir. Alors, qui s'est permis de changer le sabbat au dimanche?
Qu'est-ce qui est arrivé au quatrième commandement pour que le peuple de, pour que le peuple de Dieu décide de, pour que les chrétiens plutôt décident de switch du sabbat au dimanche? Des fois, on aurait pu penser que parce qu'on voit tellement les congrégations adorer le dimanche, que le mot dimanche est dans la Bible. Eh bien, je vous introduis un autre, le saviez-vous? Est-ce que vous savez que vous ne trouverez pas une seule fois le mot dimanche dans la Bible? En tout cas, pas dans le Nouveau Testament. En revanche, par contre, vous allez trouver 8 références au premier jour de la semaine. 6 d'entre elles, 6 dans 6 dans, cette, dans de ces références-là, vont, vont parler de la résurrection de Jésus. Et ensuite, quand on parle des deux autres, parce qu'on dit, ah ben, si les 6 parlent de la résurrection de Jésus, donc les deux autres ne doivent pas forcément parler du culte de dimanche, eh bien non. OK? Parce que la première occurrence, elle dit quoi? Elle dit que chacun d'entre vous, le premier jour de la semaine, met à part chez lui ce qu'il pourra, selon sa postérité, afin que l'on n'attende pas mon arrivée pour recueillir des dons. Ça, c'est 1 Corinthiens, verset 16, chapitre 16, verset 2. Est-ce que ça décrit un culte? Non. C'est pas ça, pas en tout, là. C'est juste que Paul dit aux gens de mettre de l'argent de côté pour subvenir aux nécessiteux, pour qu'on n'attende pas qu'ils viennent pour régler ces problèmes-là. L'autre verset, il dit, le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples et il prolongea son discours jusqu'à minuit. Ça, c'est dans Actes, verset 7. Et là encore, c'est pas, on ne fait pas référence au fait qu'il y avait le sabbat, comme on dit, le sabbat, le premier, le culte le premier jour. Donc, ce qu'on doit comprendre là-dedans, c'est que l'Église chrétienne des premiers temps, elle rendait le culte le septième jour de la semaine. Septième jour de la semaine qui est du vendredi soir au samedi soir. Mais toutefois, lorsque l'empereur, il y a l'empereur Constantin, qui est un adorateur, bon, qui était un adorateur païen du soleil, qui a fait appliquer sa propre version de la chrétienté dans son empire, il a imposé l'observation du dimanche. Il a publié un décret, le décret suivant, en 321 après Jésus-Christ, où est-ce qu'il dit, « Pendant le vénérable jour du soleil, que tous les magistrats et peuples se reposent. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire, quand on parle le jour du soleil, le sun day en anglais, il voulait que tous les peuples se reposent. Quelques années plus tard, l'Église catholique a adopté à son tour un décret qui est quand même spécial, où est-ce qu'il dit, pendant le concile de Laodicée, où est-ce qu'il dit que des chrétiens ne doivent pas judaïser et se reposer le samedi, mais travailler ce jour-là, préférant si du moins ils le peuvent se reposer le dimanche en tant que chrétiens. Mais s'ils se trouvent, s'ils se trouvent à judaïser, qu'ils soient anathème auprès du Christ. Autrement dit, les chrétiens observant le sabbat furent déclarés hérétiques. Et on se pose de quelle autorité l'Église catholique a effectué un tel changement, a fait une telle proclamation. Il y a même un cardinal théologique, un cardinal théologien catholique, le cardinal Gibbons, qui a dit, vous pouvez lire la Bible depuis la Genèse jusqu'à Apocalypse et vous ne trouverez pas une seule ligne, pas une seule ligne autorisant l'établissement et la sanctification du dimanche. Les Écritures ordonnent la religieuse observance du sabbat, jour que nous ne sanctifions jamais. C'est dans le livre qui s'appelle La foi de nos pères, page 107, traduction Adolphe Sorel pour ceux qui veulent aller consulter. Alors, poursuit le cardinal Gibbons, il dit, « Si la Bible est votre autorité, vous n'avez aucune raison valable d'observer le dimanche. » Il écrivit que les Écritures ordonnent la religieuse observance du sabbat, jour que nous ne sanctifions jamais. Est-ce que vous réalisez ce que ça veut dire? Eux, c'est de leur propre autorité là, qu'ils ont pris ça. Ils l'ont dit. Ce n'est pas sur les Écritures du Nouveau Testament. Ce n'est pas sur les Écritures de l'Ancien Testament. Ils ont dit, avec ma force, mon courage, mon autorité, bon, je dis. Et voilà. Si tu suis la Bible dit sabbat. Mais si tu me suis moi, moi, je dis dimanche. En comprenant ça, on dit, est-ce que ça a l'importance? Est-ce qu'on ne peut pas observer n'importe quel jour? Think. Jésus a donné une réponse limpide à cette question. Les Écritures rapportent qu'il donna un avertissement très sérieux au sujet des traditions qui rentrent en conflit avec les commandements de Dieu. Beaucoup d'églises ont suivi une mauvaise voie, tout comme les pharisiens à l'époque de Jésus. Voici son avertissement au sujet de telles pratiques. C'est en vain qu'il m'honore en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Vous abandonnez le commandement de Dieu
et vous observez la tradition des hommes, vous rejetez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Et on trouve ça dans Marc 7, versets 7 à 9. Jésus a déclaré qu'il est maître du sabbat. Maître du sabbat. Il a constamment observé le sabbat et n'a pas transgressé la loi divine. Jésus a dit, j'ai gardé les commandements de mon Père. Jean 15, verset 10. Est-ce qu'on ne devrait pas suivre l'exemple de Jésus-Christ et les instructions bibliques? On dit qu'on est chrétien. On suit le Christ. Est-ce qu'on ne devrait pas suivre ce que Christ nous dit? Ce que Christ a fait? Est-ce qu'on devrait plutôt s'y opposer et suivre la tradition des hommes? Parce que clairement, l'Église catholique qui a institué le dimanche dit que c'est eux là. Jésus nous dit que le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Il n'a pas dit que le sabbat a été fait pour le peuple juif. Il a dit que le sabbat a été fait pour l'homme. Quand il dit l'homme, c'est l'homme avec un grand H qui englobe l'humanité. Est-ce que Jésus, quand il a dit qu'il était maître du sabbat, est-ce qu'il a dit qu'il était le maître du dimanche? Non. Il n'a pas dit qu'il était le maître du dimanche. Il a dit qu'il était le maître du sabbat. Alors, si Jésus est le maître du sabbat, de quel jour est-il maître? Est-ce que c'est du dimanche? Non. Il est maître du sabbat. Et vous savez, il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, comme on peut lire dans Hébreux 13, verset 8. Il est toujours le même maître du sabbat actuellement. Et les Écritures nous disent, nous exhortent à suivre son exemple, à suivre l'exemple des apôtres. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, quand Paul a écrit à l'église de Corinthe, il a dit « Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. » 1 Corinthiens 11, verset 1. L'apôtre Pierre nous exhorta aussi à suivre l'exemple du Christ. « C'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, en vous laissant un exemple, afin que vous suiviez cette trace. » 1 Pierre 2, verset 21. Alors oui, Jésus et les apôtres ont observé le sabbat du septième jour, et Dieu veut qu'on suive leur exemple. Il est de notre responsabilité, à vous et à moi, chrétiens, d'observer le sabbat, comme Dieu nous le demande. Maintenant, la question est de savoir maintenant, c'est à quelle autorité vous vous soumettez? Est-ce que c'est à l'autorité de la Bible ou c'est à l'autorité d'une église, d'une religion, d'une tradition humaine? C'est à vous de voir. Comme on l'a vu tout à l'heure, il y a l'Église catholique, de même que plusieurs dirigeants religieux, sans aucun fondement biblique et de leur propre aveu, ont justifié le fait d'observer le dimanche au lieu du sabbat. Maintenant, quand on dit qui remplaça le sabbat par le dimanche, vous savez c'est quoi la bonne réponse? La bonne réponse, c'est personne. Parce que l'homme ne peut pas changer ce que Dieu a déclaré. L'homme n'a pas autorité pour changer les commandements de Dieu. Une dernière question, c'est lorsque Christ va établir son royaume sur la terre, quel sera le jour de culte pour toutes les nations? Dans Ésaïe 66, versets 22 et 23, Dieu déclare la chose suivante. « Car comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je vais créer subsisteront devant moi, dit l'Éternel, ainsi subsisteront votre postérité et votre nom. À chaque nouvelle lune et à chaque sabbat, toute chair viendra m'adorer, dit l'Éternel. » Donc même sur la nouvelle terre, le sabbat continuera d'exister. Maintenant, obéirez-vous dès aujourd'hui à votre Dieu? Est-ce que vous adorerez le septième jour en tant que maître? Est-ce que vous adorerez pendant le sabbat, comme lui il le demande, en tant que maître du sabbat? Ou c'est votre choix de suivre un autre jour que lui n'a pas désigné en disant à la fin, « As long as I rest. » En quoi cela a-t-il de l'importance? Vous savez, Dieu nous a créés avec le libre arbitre. C'est nous qui choisissons de faire ce que nous voulons faire. C'est nous qui choisissons de faire les choix que nous voulons faire. Tout cela nous appartient. Mais Dieu nous donne des directives. Et ces directives sont pour notre bien-être. Si nous acceptons de les suivre et d'y obéir, nous allons retirer toutes les bénédictions qu'il dit que nous allons en retirer.
Mais si par nos propres choix, nous choisissons de nous soustraire à cette directive et de faire ce qui nous semble bon, ben nous allons récolter le fruit de ce qui nous avait semblé bon. Maintenant, tout ce que je peux espérer, c'est le jour où est-ce que sur la nouvelle terre, est-ce que Jésus va retourner, qu'on n'aura plus besoin d'avoir tous les problèmes qu'on a, qu'on pourra vivre dans l'unité complète de foi, de pensée, de motif avec Jésus. Et ça, c'est ma prière pour vous et pour moi aujourd'hui. Bonjour Natacha. Bonjour Nathalie. J'ai une question pour toi. Yes. Et donc, si jamais il y a une personne qui écoute en ce moment ou qui va écouter plus tard, puis qui se dit, mais j'ai jamais vraiment observé le sabbat, bon, pour moi, c'est pas important, mais qui voudrait commencer. Puis il se dit, tu sais quoi, finalement, j'ai besoin de repos. Je voudrais commencer à utiliser, à observer le sabbat. Qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil pour un novice? Pour un novice, c'est sûr que c'est pas... C'est sûr que même pour nous qui observons le sabbat depuis aussi longtemps, c'est pas quelque chose qui nous vient naturellement. Mais pour un novice, c'est, premièrement, je lui dirais d'en parler à Dieu, de se confier à Dieu. Parce que les gens, des fois, on dit, on va observer le sabbat, mais qu'est-ce que ça veut dire d'observer le sabbat? Des fois, le problème, c'est pas par faute de mauvaise volonté, c'est juste qu'on sait pas comment. Tu sais, j'ai quelqu'un qui m'a dit, je t'ai pas appelé aujourd'hui parce que c'était le sabbat. Mais voyons. Le sabbat, ça m'empêche pas de parler avec les gens de ma famille, mes amis, là. Okay? Donc, déjà, de s'informer. Tu veux commencer à suivre le sabbat? Fine. Commence par, premièrement, prier. Parle-en à Dieu. Demande à Dieu de t'éclairer, d'ouvrir tes yeux pour savoir si moi, je veux t'honorer dans le sabbat que tu m'as donné, là, comment tu veux que je te donne dans le sabbat que tu m'as donné? Fais-moi comprendre the do's and don'ts. Okay? Fais-moi comprendre the do's and don'ts. Fais-moi comprendre comment est-ce que je peux faire pour te suivre, t'observer, sans te manquer de respect, parce que mon cœur, il est sincère, je veux vraiment te suivre. Alors, pour être... Attends une minute. Pardon. Pour t'observer, je veux vraiment que... me délecter dans le sabbat que tu as créé pour moi. Quelles sont les habitudes que tu veux que je casse? Que tu veux que je prenne? Et vraiment être sincère dans sa quête de rechercher à plaire Dieu dans le sabbat. Pardon. Merci. Juste une autre. C'est correct. Donc, j'ai une autre question pour les parents. Pour les parents. Je trouve que le sabbat prend une autre dimension lorsqu'on devient parent. Quel conseil tu donnerais à des parents qui veulent observer le sabbat, qui veulent quand même que leurs enfants soient capables de pouvoir expérimenter socialement toutes leurs activités, qui veulent être capables d'expérimenter autant leurs activités sportives, leurs activités... Je connais tellement de personnes qui ont été aigries parce qu'ils n'ont pas été capables de faire les activités qu'ils voudraient. Ils n'ont pas été capables de faire leurs cours de danse. C'était toujours le samedi. Ils n'ont pas été capables de faire de basket. C'était toujours le samedi. Donc, comment faire pour que enseigner le sabbat aux enfants sans qu'ils soient aigris, qu'il soit bien, que ça soit vraiment une célébration, puis pas un « no, you're not ». Tu sais, tu veux qu'il soit épanoui, mais en même temps, tu veux qu'il soit épanoui en Dieu. Écoute, moi-même, je vis cette situation. J'ai deux gars, puis ils sont très sportifs, puis eux, c'est sûr qu'ils auraient toujours voulu aller dans les sports, puis surtout Nathan, lui, il a toujours montré une très belle attitude sportive. Alors, c'est vraiment difficile de dire, je veux l'inscrire au soccer. Mais non, c'est samedi. Même si tu l'inscris dans une ligue, même si les cours ne sont pas le samedi, les matchs sont pendant le sabbat. Là, tu te dis, mais coudonc. Ou la même chose pour Maxime qui veut être dans une équipe de basket. Puis c'est la même chose. Même moi, ce que j'ai fait, parce que je peux seulement parler de mon expérience en tant que parent, ce que Steve et moi, on a fait, c'est qu'à la base, parce qu'on savait que c'était pour arriver cette affaire-là, c'est pas une nouveauté. Donc, dès l'enfance, on a instruit les enfants pour leur montrer c'est quoi le sabbat, pour rendre le sabbat fun. C'est sûr que si le sabbat, OK, arrive, puis c'est comme genre un jour de don'ts, là, tu peux pas faire ci, tu peux pas faire ça, nanana, ben là, l'enfant, là, t'inquiète, hein, il va pas rester un enfant tous les jours, il va pas rester un enfant pour toujours, éventuellement, il va grandir, puis devine quoi, il va faire ce qu'il veut.
Mais si tu l'instruis en lui enseignant la beauté du sabbat, il y a des choses que lui, de lui-même, il va comprendre et dire non. Et ça va surpasser son envie, même dans la petite compréhension de l'enfant, on peut être surpris, ça va surpasser son envie de faire des choses qui ne seraient pas nécessairement en lien avec le sabbat. Des fois, j'entends mes enfants dans leur conversation, je les surprends dans leur conversation puis dire non, je ne fais pas ça parce que c'est le sabbat, on fait ça parce que c'est le sabbat. Puis eux-mêmes, ils trouvent que le sabbat, ils attendent ça parce que pendant le sabbat, il y a des choses qu'on fait. Et nous, en tant que parents, notre responsabilité, c'est de s'assurer de rendre ce jour aussi plaisant que Dieu veut qu'il soit. Parce qu'en tant qu'adulte nous-mêmes, s'il y a un jour que tout ce que tu vas faire, c'est des affaires plates, t'attends-tu ce jour-là avec impatience? Néant. Donc, c'est la même chose pour les enfants. Il faut s'assurer pendant le sabbat, fais un repas spécial. Okay? Fais quelque chose de spécial que l'on fait comme, OK, ce sabbat-là, on va manger ça. Une activité spéciale. C'est le sabbat où est-ce qu'on va aller, je sais pas moi, faire de la bécane, aller dans la forêt, aller près du lac, prendre une marche, aller visiter la famille, les amis. C'est un jour de réjouissance, de paix. Un jour où est-ce que les enfants vraiment... C'est pas le jour du dimanche parce que tout le monde fait les chores de la journée. Là. Non, vraiment le jour comme que tu peux te délecter dans ce jour pour vraiment être reconnaissant du repos que tu as. Du repos, tu n'as pas besoin de faire des devoirs. D'ailleurs, il y a certains parents là, je leur dirais une chose, ceux qui réservent... Pas de devoirs, c'est le meilleur conseil. Ah oui, les gens qui trouvent le moyen de donner du bâton à leur enfant, ça va là. Just don't. OK, déjà à la base, non, mais si c'est pour le sabbat, donnez donc une pause de bâton. Hein? OK, une pause. Une pause de bâton pour le sabbat. C'est le sabbat. Rendez ce jour un jour, OK, un jour de joie, un jour que les enfants, après duquel ils soupirent. Parce que c'est sûr que si tu as ce jour qui est un jour de joie, tu dis à l'enfant, tu vas à ta pratique de sport ou tu viens faire le party avec moi? La réponse, ça va être, tu vas faire le party avec moi. Mais le party, c'est nous, en tant que parents, qui avons la responsabilité de faire en sorte que ce jour devienne un jour de party. Un jour où est-ce que tu n'as pas de devoir à faire. It's rest, it's party time. Tu vas écouter, on va passer du temps en famille. On va écouter un film de Dieu. On va parler, on va discuter. Sur du temps que vous n'avez pas pendant la semaine, vous le prenez pendant le sabbat. Quand c'est comme ça, là, penses-tu vraiment que ton enfant va commencer à dire « Oh mon Dieu, je voulais tellement aller à ma pratique de basket. » Ça va se faire naturellement parce que c'est ton enfant qui va apprécier. Parce que c'est un jour qu'il apprécie. Parce que, voilà. Mais ça, ça prend aussi dans le fond tout le reste. Parce que ça, c'est... Ça prend de la préparation. Oui. Ça prend du repos. Ça prend de ne pas être stressé. Oui. Donc, moi, s'il y a une chose que j'étais vraiment étonnée en lisant... Mais parce que on lit la Bible, mais souvent on saute là, les Exodes, les Lévitiques, tout ça. Puis en les lisant, une chose que j'étais étonnée, combien il y a vraiment beaucoup d'endroits où Dieu nous dit non, arrête-toi et célèbre-moi. Arrête-toi et célèbre-moi. Oui. À un moment donné, j'ai lu toutes les fêtes que Dieu dit non, arrête-toi et célèbre, arrête-toi et célèbre, arrête-toi et fête. Puis ça, c'est une chose que je pense que c'est. C'est un des meilleurs conseils, en tout cas, selon moi, je pense que c'est un des meilleurs conseils, surtout pour les parents, c'est vraiment d'essayer de... Puis ça ne se fait pas de manière, tu sais, en criant ciseaux, là, tu sais, c'est apprendre à connaître les enfants, apprendre à se connaître soi-même. Puis c'est pas facile, mais je crois que c'est faisable, surtout avec la foi en demandant à Dieu de créer, de faire que ça soit un moment agréable qu'on ait envie de passer. Un party time. Tu sais, moi, une chose que Steve m'avait toujours dit, parce que Steve, il a travaillé à l'hôpital juif pendant 14 ans. Et puis, il m'a dit, Nat, la manière que les adventistes célèbrent le sabbat, la manière que les juifs célèbrent le sabbat, là, c'est deux choses différentes. J'ai dit, what do you mean? Il m'a dit, chaque vendredi soir, c'est le party pour eux. Hein. Ils ont des réunions, ils invitent le cousin, la cousine, le frère, chacun apporte, ils ont un dîner en commun. Chacun apporte leur repas chez eux, puis ils parlent, ils blaguent et tout. Les hommes vont à la synagogue, les femmes restent à la maison en train de jaser et tout. Il dit, mais c'est pas ça, hein? C'est pas ça chez nous, les adventistes, en tout cas, pour ceux que je connais. C'est que c'est comme un jour littéralement drap. Genre, tu regardes un film, ah ben c'est ça, bah oui, ferme la télévision. Ou bien, tu sais, c'est comme. Tandis que si c'est un jour, si chaque vendredi soir, tu accueillais du monde pour venir manger chez toi, puis vous aviez un bon temps, ou bien chaque vendredi soir, par rotation, je me range. Pas chaque, là, mais plusieurs. Mais au moins que c'est. Chacun d'entre nous, là, comme on se reçoit les uns les autres, puis on va aller chez un tel, vient chez nous, puis les enfants se rencontrent, ils parlent. Puis, hey, ce serait autrement différent que de rester chez nous le vendredi soir, puis t'entends. C'est sûr, il n'y a pas besoin. Je te dis, la nature a horreur du vide.
La nature a horreur du vide. Tu ne vas rien faire, devine quoi? Tu vas finir avec ton téléphone cellulaire. Ton téléphone cellulaire, il y a plein d'applications. Tu vas finir sur Facebook en train de regarder tout ce que tu ne devrais pas regarder. Sur TikTok, Instagram. Français, quand tu fais, oh! Ensuite, tu vas dire, oh, mais il n'y a rien là. Mais ce n'est rien là, ce n'est pas un temps que tu passes en communion, soit avec Dieu, avec ta famille, rien. Et c'est plat. Parce que la nature a horreur du vide. Le sabbat est un jour, c'est comme une fête. Est-ce que quelqu'un a déjà fait une fête impromptue? C'est une fête. Est-ce que quelqu'un fait des gens? Est-ce qu'il y a des gens qui font? Si tu es arrivé de faire une fête impromptue qui a bien fonctionné? Non. Une fête, ça se prépare. Le jeudi, c'est le jour de la préparation. Une fête, ça se prépare. Si tu sais que tu vas avoir un bon temps demain, si tu sais que tu prépares un barbecue chez toi, là, c'est pas 20 minutes avant que tu vas acheter tes burgers puis tes hot dogs, là. Mm-hmm. Sauf si tu aimes vivre avec le stress. Tu prépares la fête. Mais c'est la même chose. Puis qui aime pas passer du bon temps avec les gens qu'ils apprécient? T'sais, généralement, on aime bien ça. Donc, si on s'organise, ce serait faisable. C'est la raison pour laquelle, à some point, je voulais faire une affaire où est-ce qu'on pouvait se rencontrer pour être capable de célébrer le sabbat ensemble. Un jour, à un moment donné, il va falloir qu'on fasse ça pour se réapproprier la célébration du sabbat. Pour pas que ce soit un événement drabe. Pour que ce soit vraiment un moment où est-ce qu'on fait stop. Et pendant que tu t'amuses, tu n'es pas en train de penser au problème au bureau de la madame qui t'écœure. Tu n'es pas en train de penser que l'autre te demande quelque chose que tu n'as pas envie de faire pour que tu dises oui ou non. Tu es en train de te reposer de tout ce qui te fatigue et tu passes du bon temps. Et là, tu es capable de te reconnecter avec les gens autour de toi, avec Dieu, et d'être reconnaissant. Je pense que les chrétiens qui vivons le sabbat, on est tellement reconnaissant d'avoir la meilleure excuse ever de dire on arrête qu'il y a le sabbat. Ceux qui ne croient pas dans le sabbat, là, ils n'ont même pas d'excuses à donner. Tandis que moi, j'arrive, non, c'est sabbat, oublie-moi. Dieu nous a fait ce commandement et il y a pensé au tout début. Donc, c'est important pour nous, je trouve, de saisir ce don que Dieu nous a donné depuis le commencement pour arrêter, replenish, remplir les batteries, mais il faut le préparer. D'accord. Dernière question que j'ai. Et puis, n'oubliez pas, si vous avez des questions, si vous pouvez les mettre en commentaire. Mm-hmm. J'aurais une question, je pense, à une personne qui voudra observer le sabbat, mais qui vit au milieu de personnes qui n'observent pas le sabbat. Qu'est-ce que tu conseillerais à cette personne-là pour pouvoir bien le vivre, pour que ça soit quelque chose d'agréable? That was me. That was me. Okay. Ah oui, parce que chez nous, on était toutes baptisées, mais bon, bref. On était toutes baptisées, puis à 100 points, on va dire qu'il y a peut-être moi, ma soeur et moi qui continuons à observer le sabbat en tant que tel, mais bon. C'est pas facile, mais c'est faisable. Pour que tu sois capable de garder ton sabbat, encore une fois, ça se prépare. Maintenant, comment tu vas garder ton sabbat? Les gens vont toujours être intéressés à ce qui semble, en fait, le bonheur attire le bonheur. Si dans ton sabbat... Que tu dis aux autres, ben là, c'est le sabbat, laisse-moi tranquille. C'est le sabbat, fais pas ça. C'est le sabbat... Non, parce que ça c'est un des pires misconceptions que quelqu'un peut avoir. C'est le sabbat, ça m'empêche pas de rire. C'est le sabbat, ça m'empêche pas de te voir, de te parler, de passer, d'aller te visiter. Ça m'empêche pas ça du tout. J'irai pas faire du travail, mais il y a rien qui m'empêche d'aller passer du bon temps avec ma mère, ma grand-mère, c'est quoi ça? On n'est pas dans une prison. C'est le sabbat, je peux aller au parc, je peux aller... S'il y a une plage, je peux aller à la plage et tout. Il n'y a rien qui dit dans le sabbat qu'on peut pas faire ces choses. Les gens seront rebutés par le sabbat si nous, on donne une image que c'est rebutant. Si quand c'est le sabbat, tu t'enfermes dans ta chambre et puis date 7 là, les gens vont faire « Ah, ok, d'accord. » Mais si les gens voient que tu vis ton sabbat de façon que tu es libre en Jésus-Christ, que tu enjoy ton sabbat en Jésus-Christ, ah, pas de problème. ce qui va arriver, c'est que les gens vont être attirés. You're gonna glow. Les gens vont être attirés par ça, ils vont faire « Ah, ok, c'est pas ce que je pensais, là, le sabbat. C'est pas une affaire que t'es plus chrétien que le Christ, là, et puis voilà, t'es dans ton coin. » Non. Cette personne-là qui veut suivre son sabbat, c'est juste que, premièrement, comme je te dis au départ, apprends à savoir c'est quoi le sabbat et à le célébrer correctement. Si tu le vis comme une punition, ça va être très difficile, un, pour que les gens adhèrent, et toi, pour le suivre. Mais si tu le vis comme une célébration, comme un party, ben, tu peux choisir de le vivre à l'intérieur de ta famille. Tu peux également rencontrer tes amis le jour du sabbat. Ouvrir le sabbat ensemble, faire quelque chose pour montrer aux gens que c'est intéressant. Et comme ça, les gens vont être capables de vraiment sentir qu'il y a de quoi dans ce sabbat-là qui est intéressant. Ce n'est pas une affaire plate. Mais si tu le vis plate, bon. Tu es en train de dire aux gens, ben rentre pas, hein?
c'est pas intéressant. C'est pas intéressant. Et toi-même, finalement, dans ton comportement, tu te démontres que c'est pas intéressant, que c'est it's a burden for you to follow it. C'est pas ça que Dieu veut pour nous. Il veut que ce soit un jour de joie, de célébration, de communion avec lui et avec sa création. Trois belles réponses. Donc, merci beaucoup. Étant donné qu'il n'y a pas d'autres questions, de toute façon, c'est très clair. Donc, je vais t'inviter à prier pour nous pour qu'on puisse terminer la discussion. D'accord. Père éternel, notre Dieu, notre Père, merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Merci pour ta paix, merci pour ta grâce, merci pour ton amour infini. Merci, Seigneur Dieu, pour ta patience et pour ta fidélité. Père éternel, je vois, je sais, je constate, Père éternel, que tu es un Dieu, Seigneur Dieu, qui est d'une infinie sagesse, qui prévoit tout, Père éternel, et qui, par-dessus toute chose, veut notre bonheur, Père éternel. Papa, tu as créé le travail pour notre bonheur, tu as créé le repos pour notre bonheur, tu as tout prévu, Père éternel, et nous sommes infiniment reconnaissants, Père éternel. Donne-nous, Père éternel, de comprendre et de célébrer ce sabbat comme tu l'as créé. Donne-nous, Seigneur, de nous reposer en toi, d'avoir ce repos, Père éternel, qui fait en sorte que nous puissions nous arrêter et contempler ta grâce, ton œuvre, Seigneur Dieu, et de vivre, Seigneur Dieu, en harmonie avec toi. S'il te plaît, dirige-nous, pardonne-nous nos fautes, nos péchés, nos manquements, et aide-nous, Seigneur Dieu, à être rempli de ton esprit, Saint-Esprit, que nous avons besoin de toi à chaque moment et à chaque instant. Père, c'est ma prière que je te fais au nom de ton Fils Jésus, lui qui vit et qui règne, dès maintenant et au siècle des siècles, ainsi soit-il. Amen. Amen. Donc, nous continuons notre service. On remercie Natacha pour cette présentation sur le sabbat. J'espère que chacun de vous allez pouvoir expérimenter toutes les formes de repos. Bon, je ne les connaissais pas toutes, mais c'est vrai qu'elles sont toutes intéressantes. Donc, je vous invite à relire, à étudier là-dessus et à vraiment pouvoir expérimenter toutes les formes de repos après votre travail, bien sûr. Expérimenter votre travail parce qu'on sait que ça fait partie justement des besoins. De se réaliser dans le travail. Donc, on a besoin du travail et on a aussi besoin du repos. Donc, merci pour ce message. Donc, on continue notre service avec les annonces de la semaine. Donc, comme d'habitude, on vous invite à vous inscrire, de remplir le formulaire d'inscription pour tous ceux qui fréquentent Asobo ou qui ont fréquenté par le passé et qui désirent continuer à se joindre avec nous. Vous pouvez trouver le formulaire sur notre page YouTube ou sur notre page Facebook et ça va nous permettre de mettre à jour nos registres. Nous avons des études bibliques qui sont présentées par notre pasteur, Pasteur Mitchum, à chaque vendredi à 19h, qui c'est par Zoom. Vous pouvez trouver les informations sur nos pages Facebook, Instagram et Twitter, je crois. Chaque samedi matin, à 9h30, j'allais dire dimanche, donc chaque samedi matin à 9h30, nous avons notre étude de notre étude biblique, c'est Inverse. Puis le prochain sujet, c'est Decoding the Covenants Under the Law vs. Under the Grace. Nous avons besoin de vous. Désolée. Nous avons besoin de vous. Nous vous invitons à venir nous aider à faire avancer ce ministère qui est en Sovo. On a besoin de vous dans plusieurs départements, au niveau de la coordination, au niveau du secrétariat, au niveau de la trésorerie, au niveau des communications, au niveau des accueils, au niveau de la musique, au niveau des études bibliques, du service à la communauté, de la classe enfantine, de la prière. Et aussi, il y a un nouveau département qui est le département de social, en fait, pour organiser des activités pour qu'on puisse se voir. On a besoin de vous aussi pour ce département-là. On vous invite, si vous êtes intéressé, à nous écrire à sdahouseofhope@commercial.gmail.com. Comme vous le savez, on a une association, un partenariat avec Mission Bon Accueil qui recherche des volontaires et nous allons les vendredis soirs, un vendredi soir par mois pour aider à donner de la nourriture. Donc, le prochain sera le 1er juillet 2022. House of Hope.
Oui, je vous avais dit au début de la présentation, mais on avait des petits problèmes de son. Je ne sais pas si vous avez entendu. On va se rencontrer en présentiel samedi prochain, le 18 juin. Samedi 18 juin, samedi prochain. Restez à l'affût parce qu'on se présente. On va être en présentiel ensemble à l'église Assemblée d'Alliance qui se trouve au 10-310 Avenue Pelletier à Montréal-Nord. Donc, faites tout ce que vous pouvez pour être parmi nous et pour inviter d'autres personnes aussi à venir adorer avec nous. Donc, ça, le service sera à midi, comme d'habitude. Samedi prochain, à midi, comme d'habitude. So, we will be in person. OK. Donc, next Saturday, we will be in person on Saturday, June 18, at Assemblée d'Alliance Church, which is located at 10-310 Avenue Pelletier, Montréal-Nord, Québec, H1H3R3, at noon. So, soyez parmi nous et invitez vos amis. Merci d'avoir été avec nous, d'avoir participé à ce service. Nous vous invitons à le partager, nous vous invitons à commenter, à liker et à partager parmi vos proches. Et nous vous invitons encore à être parmi nous samedi prochain. Merci. Que Dieu vous bénisse.